Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres et qui réfléchit à la place du podcast dans nos vies. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, mais aujourd'hui, on est dimanche, donc je laisse mon micro à une personne qui aurait laissé un message sur le répondeur du podcast. Aujourd'hui, il s'agit de Florence, qui est également une podcasteuse, la créatrice d'un excellent podcast qui s'appelle Avant, j'étais prof, qui nous parle de son podcast préféré, qui n'est pas tout récent, mais qui est carrément canon. On l'écoute. Salut Anne Fleur, c'est Florence du podcast Avant j'étais prof. Aujourd'hui, j'aimerais recommander l'écoute du podcast Les Braqueurs qui a été diffusé en 2017 par Arte Radio et que je découvre seulement aujourd'hui. C'est 11 épisodes d'environ 15 minutes qui sont centrés autour du parcours de trois braqueurs. Ça raconte leur métier, comment ils en sont arrivés à braquer, l'organisation d'un braquage, les à côtés positifs comme négatifs et puis fatalement à un moment donné, leur chute. Pour démarrer, je recommande l'épisode 1, qui est le premier de trois courts épisodes sur un braqueur nommé François. Je trouve qu'il introduit merveilleusement bien le podcast, il est superbement bien narré, la qualité sonore, comme d'habitude, est au rendez-vous grâce à Arte, et si jamais on écoute le premier, bah souvent on peut pas trop résister à la suite. Bonne écoute! Merci à toi Florence, je dois avouer que j'ai écouté ta recommandation avant d'enregistrer ces quelques mots. Donc merci beaucoup parce que j'ai vraiment adoré et c'est vraiment chouette en fait de pouvoir creuser un petit peu et retourner en arrière dans des podcasts qui sont voilà, qui ont quelques années et c'est vraiment intéressant et précieux de trouver des recommandations qui nous permettent de le faire. J'espère que vous aussi ça vous a plu, que vous irez écouter ou en tout cas que vous viendrez nous raconter ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle reco.